Ok Nicolas, F4, Cindy Alpha Yankee, Fox Proximity, Juliette, Uniforme Alpha, Fox Proximity, Capricorn, Star et Direct. A bientôt Nicolas, merci pour toutes les informations, ça fait gentil, hein. 3564.5, plus ou moins, quoi. Et puis, lundi, mercredi, vendredi, j'ai réécouté l'accident dans les copains. Département du 81 ou du 31, enfin, les amis habituels du sud-ouest, d'abord. J'espère que vous allez vous remettre à la clinique parce que c'était très bien. L'année dernière, là, on en a vu, il y a un an, on avait réussi quand même à se comprendre. Quoi. C'était le début de votre côté. Puis moi, vous savez, je ne suis pas très bon non plus. Hein. Donc, j'en fais une fois tous les 3 mois. Mais c'était très très bien, je vous félicite encore. Hein. Et je peux que vous encourager à continuer à faire un petit peu de ces doubles, parce que vous avez fait le plus dur maintenant, il suffit simplement d'entretenir et puis de se perfectionner. Voilà Nicolas, donc sans plus tarder, j'ai été très bavard, je vais retourner du côté du... Et puis bien ok pour le C7-3. Vous savez que 57, hein, c'est très bon, avec les 100 watts, moi j'ai un petit peu plus, hein, j'ai quasiment 300 watts. Hein. Le TX, c'est toujours le FTDX, non, là c'est FTDX3000. L'année dernière, c'était le FT990, alors c'est double. Et l'antenne est un multi-dipôle, multi-doublet, plus exactement. Il y a 5 doublets au bout du câble coaxial à 5 mètres du sol. Hein. Donc il y a un doublet pour le 80 mètres, un pour le 40, un pour le 20, un pour le 30 et un pour le 17 mètres, voilà. Ça fait une grande toile d'araignée avec 10 fils, mais bon, a priori ça fonctionne à peu près correctement, ça peut vous le montrer. Allez-y Joël, votre proximité, si vous êtes 100 watts, ou un 4 FKTW.